If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. 'Cause it's black, it's all black. Black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau Flosstube. Qu'est-ce que j'ai brodé pour ce mois de janvier? J'ai brodé pas mal de petites choses, j'ai intégré des nouveautés, j'ai fini des petites choses. Je crois qu'il n'y a rien qui est en FFO, je ne crois pas, je suis en train de regarder ma petite liste. Non, il n'y a pas de FFO, il y a seulement des produits terminés. Comme d'habitude, ça va se scinder en plusieurs parties. Les FFO, enfin, les projets terminés, les en cours, les nouveaux projets, la petite grille gratuite, une des chaînes YouTube que je suis en matière, eh bien, de point de croix, art du fil, et le petit concours et également la gagnante, que je vous afficherai le nom de la gagnante du précédent Flosstube. Donc, comme vous voyez, on a changé un peu de décor. Mon atelier prend forme au fur et à mesure que, comme vous le savez, la pièce qui est juste là, qu'on vous voyez légèrement, eh bien c'est mon dressing. Donc on est en train d'aménager, enfin je suis en train d'aménager le dressing. Mon mari a monté le gros du dressing et moi je peaufine, je range, je trie. Et une fois que le dressing va être terminé, puisqu'il y avait pas mal de petites choses qui étaient dans mon atelier, qui étaient dans les vêtements, donc j'ai quasiment tout est transféré maintenant de l'autre côté. Donc maintenant, je vais pouvoir m'atteler à ranger cet atelier pour pouvoir vous faire un petit atelier tour. Enfin, c'est très simple. Donc là, on est dans la partie où il y avait tous mes bijoux ici derrière. Et maintenant, en fait, ça va être mon petit coin broderie saisonnier, on va dire, voilà. Où je vais broder des petites choses en matière de saison, de thème. Par exemple, là pour le février, on peut broder des choses pour, par exemple pour la Saint-Valentin. Mois d'avril, des choses pour Pâques, donc le printemps, les abeilles, les citrons, enfin voilà. Avoir des choses à thème et j'adore faire ce genre de petites déco. J'ai la lumière naturelle du Velux, là je ne filme avec aucun éclairage, donc je vais voir ce que ça donne, c'est une première cette vidéo. Je trouve que le rendu image a l'air pas trop mal, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis là j'ai une des pages du calendrier de Carol From Land qui a été aquarellée par elle et peint. Voilà, j'ai des petites choses qui sont... Donc on voit pas beaucoup qui sont ici, on a un projet qui était d'un petit fil, ici il y a la couronne de la forêt, j'ai des pots avec des perles du biais, etc. Mais vous verrez ça, je pense que ça sera peut-être des intros de Flosstube, ou je ne sais pas trop encore comment ça va être. Mais voilà, j'ai oublié également la partie achat dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais sûrement bafouiller un petit peu parce que niveau santé c'est pas la grande forme. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait un petit séjour aux urgences samedi. Là on est dimanche au moment où je tourne et je ne peux pas rester à rien faire malgré la fatigue. Donc je me reposerai tout à l'heure et en fait ça me change les idées d'être avec vous et ça me fait du bien, voilà, de parler de choses que j'aime et au lieu de rester faire le cadavre, on va dire, sur le canapé. Donc voilà, ça me fait du bien d'être là avec vous. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans le vlog de mercredi, vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé ce week-end et ce qui va arriver dans les prochaines semaines, puisque du coup je pense qu'il va falloir qu'il y ait un suivi. On va voir. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de broderie, de art du fil, etc. Donc on va commencer sans plus tarder par tout ce qui est projet terminé. Alors ce mois-ci, je suis contente, j'ai quand même terminé 4 projets. Alors on va commencer avec celui, 2 projets qui étaient Noël. Alors, 2 projets qui étaient sur le thème de Noël, puisque vous savez que si vous suivez un petit peu le monde de la broderie, Duren Jones a lancé début décembre, je crois.
Oui, c'était début décembre, je pense que c'était quasiment tout le mois de décembre. Un salle gratuit, donc c'est top parce que l'a mis gratuitement à disposition sur sa page Facebook et sa page Instagram, il me semble. Eh bien, un salle sur le thème de Noël et de l'hiver. Et je l'ai terminé. Le voilà. Le voilà, le voici. Il est très très joli, comme vous pouvez le voir. C'est très sympathique, je trouve, franchement. Il est très joli. Alors moi, j'ai apporté des petites modifications. Alors, il y a une erreur. En fait, le cadre était brodé comme ça. Et je me suis trompée, en fait, le jour où en fait, j'ai inversé les cadres. Mais bon, ça a peu d'incidence, finalement. Je trouve qu'il est quand même joli comme ça. Moi, j'ai incorporé. Alors, on voit un petit peu de reflet de la caméra. Moi, j'ai fait... J'ai rajouté du point arrière, principalement. Et j'ai rajouté du point arrière. J'ai rajouté également, je crois, des fils métallisés. Ouais, c'est ça, des fils métallisés. Et j'ai rajouté du fil qui vient de chez... comment ça s'appelle? De chez Chibiour. Le fil un petit peu façon... vous voyez là, ici, sur le bonnet et sur le bonnet, un petit peu moumouté, qui fait un aspect un peu moumouté et brillant. Et je trouve que ça apporte du relief au bonnet. Mais franchement, je suis très contente. Alors, je ne sais pas encore si je vais en... Je pense que je vais en faire un petit cadre molletonné avec un pourtour sur du carton pour bah, pouvoir le mettre pour Noël. Alors, je pense qu'il ira plutôt dans mon atelier. Je ne sais pas trop encore. Donc, je vais voir comment je vais faire les finitions. Ça, vous les aurez au fur et à mesure, bien sûrement dans les vlogs ou dans les extra flostubes, puisque je vais essayer de vous faire ça dans les extra flostubes. Puisque je vous l'ai dit, il y aura des catégories de vidéos extra flostube, c'est-à-dire des vidéos où je vous montre bien, par exemple pour faire un petit coussin, où je vous montre comment je prépare une toile, enfin voilà, des petites choses comme ça qui seront à trait à la broderie. Donc ravie de ce projet-là, c'est un projet gratuit, vous pouvez toujours l'avoir en plus, donc ça c'est top. Le deuxième projet que j'ai terminé, c'est encore un projet Noël de crochet à gogo que j'adore. D'ailleurs, je me suis commandé un genre de petit calendrier avec des petits motifs à faire chaque mois. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le commencer. Je vous le ferai voir dans la partie achat. Donc, c'était ce projet-là que j'ai terminé. C'est le Babou Natal 2021. Donc, que j'ai eu moi sur, je crois, de mère en fille. Mais vous pouvez l'avoir aussi sur Etsy. Donc, je vous mettrai les deux liens de la boutique. C'est Rika et j'adore. Franchement, j'adore. J'adore ce qu'elle. Ce qu'elle j'adore j'adore le design de ce créateur ou créatrice. Je crois que c'est une créatrice. Et eh bien, il est terminé. Je l'ai brodé. Alors, l'autre, le Noël, j'avais brodé sur une toile Aïda 5-5. Et celui-ci, c'est une étamine 12 fils. Alors, la couleur, parce que vous allez peut-être me demander, c'est une Murano 12 fils 770. Donc, voilà ce que ça donne. Il est trop kiki, il est trop mignon. Alors, j'ai un peu de reflet, je suis désolée. J'ai le reflet de la caméra. Il est vraiment très joli. Très, très beau. Je pense que la prochaine vidéo, le prochain Flowstube, je vais vous incorporer des faces bureau. Vraiment, niveau du Velux, comme ça, face, vous aurez vraiment les couleurs naturelles. Donc là, comme je vous dis, je ne suis pas très en forme, donc je fais au mieux. Alors, peut-être que ça ne se voit pas, je ne suis pas très en forme parce que voilà, je suis maquillée. Et heureusement qu'il y a le maquillage. Mais voilà, j'en suis ravie. Un grand plaisir à broder sur de l'étamine. C'est une belle découverte pour moi. Alors, l'étamine. J'ai un projet là que je suis en train de broder sur du lin. Franchement, le lin, je trouve c'est irrégulier. Je trouve pas ça joli. Par contre, l'étamine, voilà, c'est un réel plaisir. Et une belle découverte. Et je pense que bah, voilà, il y a pas mal de projets qui vont arriver sur l'étamine maintenant. Et donc, celui-ci, on a des flocons. Vous voyez, je sais pas si on les voit. Ouais, on les voit. Et voilà, donc celui-ci il va finir, j'ai déjà le FFO en tête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des petits achats chez, comment ça s'appelle? C'est pas Centracor, c'est incroyable. Pour Noël, ils avaient fait de la déco de Noël, un peu typé bois, un peu chalet, et il y avait un traîneau. Et du coup j'ai projet de le monter là-dessus, voilà. J'ai terminé ce petit projet qui était... sur le thème du thé,
que je vous ai présenté dans, je crois, un vlog qui vient de la boutique Seven Great, mais vous pouvez retrouver aussi sur My Bobine. Soit en estampé du coup, soit en point monté. Donc c'était celui-ci avec le T. Donc moi j'avais choisi, je l'avais reçu en point compté de la boutique Seven Great. Alors la toile est déjà surfilée. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que du coup la toile n'est pas très grande. Donc pour faire un projet, voilà. Donc je ne sais pas. Mince. Je ne sais pas encore comment je vais le monter. Peut-être en petit. J'ai des toutes petites, comment ça s'appelle, planches à découper. Et je pense que ça, il va finir sur une petite planche à découper. Donc voilà ce qu'il donne. Alors il est façon, je vais le mettre comme ça sur le côté, on verra mieux. Il est façon, vous voyez, avec du demi-point. On a pas mal de demi-points ici sur tout le côté. Tout l'intérieur ici aussi est en demi-point. On a du point arrière. Et en fait, il y en a quatre comme ça avec les saisons. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est, voilà, vous avez la théière, il y a une jolie tasse. On a des choses qui ont, la tasse qui est ici, on a des choses qui sont en rapport avec la broderie. Donc on a une broderie ici sur le centre avec le tambour. On a des échevettes ici. Et je l'ai trouvé, j'ai trouvé super sympa. Hyper agréable à broder. Je l'ai brodé sur le mois de... Quand je vous dis, je ne fais pas que ça. Ça, c'est mes broderies que j'appelle les broderies canapé. D'ailleurs, j'en ai remis une autre là pour ce mois de février, puisque au moment où je tourne, on est le 4 ou 5, je ne sais plus, février. Et j'en ai remis une autre, mais c'est pas dans celle-là, c'est une chose un peu plus thématique Pâques. Donc vous verrez ça au moins dans le Flosstube de février. Mais ceux-là, les 4, là, je vais les faire. Et je pense que c'est des petites planches qui vont accompagner la thématique. Voilà qui va être derrière ici. Et quand je rentre dans l'atelier, j'ai plaisir à regarder ces broderies sur mon meuble aussi ici. Donc ça va recouvrir une bonne partie des murs dans cette pièce. Et il y a des projets qui vont aller aussi dans mon dressing que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà pour ce projet terminé. De chez Poussière d'Étoiles, j'ai terminé. C'était une des boxes. Je ne sais plus la box de quand c'était. Pas vous redire, je sais pas si c'était écrit. C'était la couronne papillon comme ceci, donc elle est toujours disponible. Vous avez, comme vous le savez, je suis ambassadrice de la boutique Poussière d'Étoiles pour l'année 2024. Donc je reçois gracieusement ces nouveautés et les box que vous allez prochainement voir. Je pense la semaine prochaine, vous allez avoir les ouvertures des trois box ainsi que des nouveautés. Et ça, c'était une box, puisque comme je vous l'ai dit, je suis cliente avant tout de chez Poussière d'Étoiles. Hein, je suis une cliente avant tout. Et y avait cette box-là. Alors, je l'ai terminée. J'ai fait des petites modifications. Elle n'est pas encore terminée, mais c'est comme ça qu'il va finir. Donc, il est comme ceci. Alors, il n'est pas très centré. Il était sur une toile qui était dans la box, qui était teintée main. Avec des papillons, je sais pas si on va voir, voilà, on voit les papillons qui sont teintés. Donc il est terminé, j'ai rajouté moi du fil métallisé, vous voyez, on le voit ici, dans le papillon et dans les fleurs. J'ai changé des couleurs par rapport au marron, j'ai mis d'autres couleurs. Et je sais pas si vous le voyez, sur le pourtour du tambour, on a du tissu. Donc là pour l'instant il n'est pas fini, etc. Donc c'est un essai, j'avais coupé une bande de tissu que j'avais trouvé chez Action. Du tissu que j'avais trouvé chez Action qui allait dans les mêmes couleurs. Il y a des papillons dessus, il y a des fleurs. Enfin, voilà, donc je me suis dit, ce biais va aller parfaitement. Enfin, ce tissu, je vais en faire du biais et il va aller parfaitement avec. Donc, je pense que celui-ci, il sera accroché comme ceci au mur. Et franchement, très joli. Voilà, c'est très très joli. Très joli papillon. Voilà, donc celle-ci, elle est encore disponible, il me semble. Comme je suis partenaire, vous avez droit à un code de promo de moins 10% sur votre première commande. Donc, je vous remets, de toute façon, tout ça sera en barre d'infos. Tout ce que je vais vous montrer sera normalement dans l'ordre en barre d'infos. Donc, ravi de cette petite chose terminée. Et la dernière petite chose que j'ai terminée, c'est le sale The Steady Trail. Alors, cette année, j'en ai pas remis en route. J'en ai pas remis un en route de Blackwork. Dans ce type là, j'en ai mis un autre en route de Blackwork, mais pas dans ce type là. Donc je vous le montre. Alors, il est magnifique. Je pense que lui, il va aller dans ma salle de bain. Je pense que je vais en broder d'autres dans les tons bleus comme ça pour ma salle de bain à l'étage. Donc il est terminé, il est sur... Alors vous voyez, il n'est pas fini de monter, j'ai pas fait l'arrière à quoi que ce soit.
Je l'ai juste mis sur tambour pour qu'il prenne la forme. Je ne l'ai même pas encore repassé, donc je vais le défroisser à la verticale. Il est magnifique. Et j'ai brodé donc la date, puisque c'était le 2023. C'était donc le 2023, donc j'ai brodé la date 2023. Et j'ai fait tout le tour. Voilà, il est magnifique. Franchement, il rend super bien. Je suis ravie en fait de ce projet-là. Donc maintenant, il est plus gratuit. Comme je vous l'ai dit, ces projets sont partagés tous les ans. Elle fait un sale comme ça qui est gratuit. Enfin, ils font un sale comme Peppermint, il me semble. Donc je prends les grilles. Là, j'ai repris les grilles pour cette année sur le sale Peppermint là, et le sale The Steady Straight. Je ne sais pas si je vais les faire, mais je les prends, elles sont gratuites. Parce que après, je crois que c'est fin décembre, après elle enlève tout. Et après, vous pouvez les retrouver sur le site payant. Voilà. Donc autant prendre des choses qui sont gratuites. Et je trouve ça super. Donc il y en a un d'une forme un peu sympa pour cette année. Peut-être que. Donc je pense que c'est. Je crois que c'est The Steady Straight. Donc je vais peut-être me lancer à le faire. Peut-être même avec les mêmes couleurs. Pour que ça reste dans les mêmes tons. Pour ma salle de bain. Donc je vais voir. Je vais voir. Mais un régal à broder. Un régal. On va passer, donc vous voyez, je l'ai mis derrière. On va passer à la catégorie eh bien, des projets en cours. Alors sur quoi j'ai travaillé ce mois-ci? Eh bien j'ai travaillé sur le sale, mon sale Alice au Pays des Merveilles, qui est une grille gratuite de Whole Forest. C'est un plaisir à broder. Je précise en passant que j'ai lancé un nouveau sale, je vous remettrai la vidéo en fiche. Et il y a également un groupe Facebook, donc le sale commence le jour du printemps, je crois que c'est le 21 ou 22 mars. Ou 23 mars, je ne sais plus trop les dates. Mais tout est expliqué en fait dans cette vidéo et c'est un nouveau sale. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le groupe Facebook pour participer à ce sale. Donc voilà, je vous laisserai aller voir. Donc le sale Alice, donc c'est un sale qui va bientôt se terminer, je crois. Donc là, nous sommes à la prochaine étape. Là, nous en sommes normalement, parce que voilà, à partir du 1er, nous en sommes à l'étape 13. Et je crois qu'en tout, nous avons, on en est à l'étape 13 et on a 19 étapes. Tous les 15 jours, on brode un petit motif. Voilà, c'est faisable, largement faisable, sans problème. Donc, je vous refais voir un petit peu la photo de ce que ça va donner au final. Donc, voilà ce que ça va donner au final. Ça va être très sympa et il est extrêmement agréable à broder. Alors, je ne sais pas s'il va rentrer dans le champ de la caméra puisque c'est quand même un beau bébé. Je ne sais pas ce que je vais en faire après. Je ne sais pas si peut-être j'en ferai un coussin. Je ne sais pas encore. Donc moi, je le brode sur une toile Nougat Aïda 7. Voilà ce que ça donne où nous en sommes. Il est sublissime. Voilà, vous pouvez encore nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Allez à votre rythme, comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de me mettre debout pour que vous puissiez, vous puissiez voir. Voilà, donc là, on a le petit lapin. Alors, il y a des petits couacs, hein, parce que, voilà, il y a des petits couacs. Il y a Alice qui tombe, vous voyez. On a la porte, le petit gâteau, la boisson, mange-moi, bois-moi. Au milieu, on aura la reine de cœur, puisque ça sera le dernier motif. Ensuite, on descend, ben voilà, le conte hein, qui se poursuit. La maison, on a la chenille qui va devenir le joli papillon. Voilà, la reine de cœur. Enfin, la petite histoire continue. Et franchement, il est sublime. Il se travaille très très bien. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai brodé sur une Aïda Nougat. Donc je pense qu'il va sûrement finir en coussin avec du tissu Alice à l'arrière. Je ne sais pas trop encore, comme je vous l'ai dit... Je brode et ensuite on avise suivant. Voilà. Donc un réel plaisir à broder. Donc là, comme je vous l'ai dit, on en est donc à l'étape 13 depuis le 1er février. On en est à l'étape 13 depuis le 1er février. Et tous les donc 1er, 15 et 30, et eh bien, enfin 1er, 15 et 1er, voilà. Et eh bien, on fait une étape. Voilà, tous les 15 jours, une nouvelle étape.
Ensuite, j'ai travaillé sur la robe rose. Alors, je vais vous la montrer. Qui est le schéma? Il est ici. Donc, ça sera pour mon dressing. Alors, il est ici. Voilà. Ça, c'était un kit que j'avais sur AliExpress. Et je sais qu'on peut les trouver aussi sur MyBobine. Bon, j'essaierai de vous mettre les deux liens. Donc, ils sont vraiment jolis. Ça fait très. Boutique ancienne parisienne. D'ailleurs, c'est écrit pièce de salon Paris. Donc, j'ai bien avancé sur celui-ci. Voilà ce que ça donne. J'ai bien, bien. Donc, il y a le tambour qui a plié. Franchement, les kits là sont pas chers. Sur AliExpress, la toile, elle est très, très bonne qualité. Elle est hyper souple. Donc, moi, c'est de l'Aïda 7, hein, c'est du 18CT. Mais alors, une merveille. Regardez-moi ça. C'est. Super joli, ouais. C'est dommage, on a l'ombre de la caméra, donc c'est voilà, c'était un test, hein, mais aujourd'hui pour cette vidéo, mais je pense que quand la prochaine fois vous aurez les vues face caméra, enfin face bureau, comme ça vous verrez mieux. Mais un petit plaisir à broder cette broderie sur du 18CT, ça se les couleurs, la toile, enfin voilà. Donc là, j'en suis dans le bas de la robe. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'en ai 4 ou 5 de cette collection-là. Et ils vont aller dans mon dressing sur le côté, en fait, où j'ai mon panier à linge. Vous verrez ça quand vous aurez le dressing tour, quand ça sera fini d'aménager. Mais alors, un réel plaisir à broder. Voilà. Gros, gros coup de cœur cette série. Alors, j'ai travaillé sur le sale qui est organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon sur une grille de Haul Forest qui était gratuite également. Donc moi je l'avais commencé avant, hein, comme je vous l'ai dit, mais il est top cet ouvrage à faire. Alors, c'est le nom de la toile. Attendez voir. Le nom de la toile, que je ne dise pas de bêtises. Donc c'était cette toile-là. Et c'est le Pumpkin Color Automne. Donc c'est un sans-fleurs. Et franchement, il est d'une hyper agréable à broder, hyper agréable. Alors, j'ai bien bien avancé, hein, comme vous allez pouvoir le voir. Je vais enlever l'aimant aiguille qui vient de chez Poussière d'Étoile. J'ai vraiment bien avancé, comme vous pouvez le voir. Alors, je un petit peu, j'ai vraiment bien avancé, vous voyez. Donc j'ai quasiment terminé, je crois tout le haut. Voilà, tout le haut est terminé. Donc je vais pouvoir m'attaquer à la seconde partie. Et franchement, il est trop trop beau. Donc celui-ci va finir sur une plaque cartonnée. Avec du tissu très automnal, du nœud automnal, voilà. Je pense qu'il va y avoir sûrement du nœud hors tournesol, du orange, du rouge. Enfin, vous verrez ça quand il sera monté. Et je le brode sur une Aïda 8, couleur naturelle, qui est naturelle, qui est un peu façon un peu toile de jute. Et franchement, il est très joli. Ouais, très très joli. Un régal à broder cet ouvrage. Donc en plus, gratuit, donc autant profiter, hein. Et c'est vrai que tous les modèles que Haul Forest propose gratuitement, il y a vraiment des belles choses à broder. Donc si vous aimez ce créateur, alors moi j'en ai pas que des gratuites, hein, parce que j'en ai acheté pas mal des payantes, on va dire. Mais c'est un réel bonheur à broder cette marque-là. Ensuite, j'ai avancé sur mon Button and Lace de chez Sue Ellis Design, qui se présente comme ceci. Alors moi j'ai changé les couleurs. Moi j'ai changé les couleurs. Puisque les couleurs préconisées étaient dans les tons beige et rose. Et moi, je suis partie sur du Parme. Donc, j'ai une toile qui est Parme. Alors, la toile est Parme. Donc, moi, j'ai un peu changé les couleurs pour que ça aille dedans. Et je suis partie sur quelque chose de Parme que j'avais vu sur une page Facebook de quelqu'un qui l'avait fait. Alors, ne me demandez pas qui, parce que je n'ai pas noté le nom. J'ai bien avancé sur ce projet-là. La toile, c'est une Aïda 8 couleur
par Mantic, je crois, que j'avais sur deux mères en film, mais on ne trouve plus cette toile-là. On en trouve un peu des similaires, hein, mais voilà. Donc c'était par Mantic et voilà où j'en suis de ce petit projet. Voilà où j'en suis. Donc j'ai quasiment fait le premier, là il me restera les petits boutons à mettre. Là j'ai fait la petite étagère et j'ai commencé la dentelle qui va amener vers l'autre. Mais vraiment c'est très agréable à broder, très très agréable à broder. Et donc je brode en deux fils sur du 8 pour amener un peu de, pour amener du volume. Voilà. Et celui-ci c'est pareil, je pense qu'il sera en petit panneau à poser comme ça, et j'aime beaucoup, ouais j'aime beaucoup. Ou alors il ira, je sais pas encore, voilà, mais un plaisir à broder. Donc ça je l'avais eu je crois sur Casa Senina. De toute façon comme je vous l'ai dit, je vous mettrai les liens des articles en barre d'infos. Ensuite une broderie que j'ai eue sur My Bobine que j'ai adoré. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans les moments douceur du mois de janvier. Je pense que cette grille-là, je vais la finir assez rapidement parce qu'elle va m'accompagner tous les mois. Tous les mois, je vais travailler dessus. Quand j'y suis dessus, j'ai énormément de mal à la lâcher. Donc, c'est une grille de Natalia Oreova. Donc, vous pouvez retrouver sur My Bobine. Alors, le motif est magnifique. C'est une maison théière avec des roses. Elle est sublime. Donc, le motif, déjà, c'est celui-ci qui va être terminé. Quand il va être terminé, il est superbe. Superbe, superbe. Et on a la particularité, c'est qu'on a du point de rose avec du fil dedans à la fin. Donc, j'ai vraiment bien avancé sur cette toile-là. Comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de mal à la lâcher. J'ai commencé un peu le point arrière. Quand il y a une partie qui est terminée, j'avance maintenant le point arrière. Comme ça, ça permet que ça va plus vite. Et on n'a pas que le point arrière à faire. Donc, voilà où j'en suis. C'est sublissime! Sublissime. Alors je pense que j'ai pris un peu juste au niveau de la toile. De toute façon, je pense qu'il finira en petit panneau. Voilà. Ou sur une planche à découper. Je pense. Peut-être une planche à découper. Mais il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Peut-être pour aller dans ma cuisine. Je ne sais pas encore. Mais il est sublime. Sublime, sublime. Voilà. Que dire? Sublissime. Je vais m'approcher un petit peu pour les détails. Donc, on a toujours un petit aimant aiguille de chez Poussière d'Étoile. Voilà, on a le petit store. Là, j'ai fait la partie avec les roses. J'ai fait le haut avec la petite fenêtre. Ici, là, un genre de petit fan. Vraiment très joli. Donc, celui-ci, j'ai hâte de la reprendre parce que c'est un gros coup de cœur, celle-ci. Gros coup de cœur. Donc, son nom, un petit peu d'artiste, si vous la cherchez sur Instagram, c'est Elka Cross. Voilà. J'adore, j'avais payé 5,63$, donc vraiment pas cher, donc je vous mettrai le lien de toute façon. J'ai travaillé un peu sur mon blason Harry Potter avec les boules de coton neige là. Je vous mettrai une petite photo parce que je crois pas que je l'ai en photo fini. Ah, il y a le fil qui vient avec. Et c'est pareil, c'est un bonheur à broder. C'est un bonheur à broder. Alors... je vous montre un peu où j'en suis. Je le brode sur une toile Aïda crème. Elle est un peu raide là, la toile. Je l'avais eue sur Amazon, elle est un peu raide. Donc voilà où j'en suis. C'est un bonheur. C'est un bonheur. J'ai hâte de le terminer pour mettre dans mon bureau avec les pop sous une idée de Angel, enfin du mari de Angel et Guillaume. Dans les petits bonheurs d'Angèle et Guillaume. Il a fait ce cadre et c'est une. Je lui ai dit je vais te piquer l'idée parce que pour mon bureau, ça va être excellent. Donc voilà. Petit changement de batterie. Alors, comme je vous disais, oui, sur le blason Harry Potter, c'est une beauté. Une beauté. Il est magnifique. Il rend super bien. Voilà. Le point arrière au niveau du coton ici fait tout. Voilà, c'est le... Là, vous voyez, là, le point arrière est fait de ce côté-là. Et il n'est pas fait de ce côté-là. Donc, c'est le point arrière fait vraiment beaucoup de choses. Donc, je vais le poursuivre. Celui-ci, il est magnifique. Donc je vais essayer de faire en fait une fois un par mois un côté comme ça pour donc celui-ci il va continuer dans les encours, mais un réel plaisir à broder. Donc on va passer aux nouveaux encours. Qu'est-ce que j'ai intégré? Eh bien
dans mon panier à point de croix, pas mal de petites choses, hein, notamment la box Instant Paisible de Fabi qui elle a lancé, je crois, début du mois de fin décembre. Je crois que c'était fin décembre ou début janvier, je ne sais plus. En fait, on avait une box avec des petits, je vais vous faire voir. Donc, on avait une box avec des petits papiers comme ça, enfin des petites pochettes avec des étapes, avec différentes étapes. Donc là, c'est l'étape 4 où nous en sommes. Et il y avait dans la box, il y avait la toile, les fils, etc. Les petites choses pour broder, des petits cadeaux. Enfin, vous voyez, il y avait un très joli trifil. Enfin, donc moi, j'ai mis ça dans un petit panier, dans un panier pour pouvoir eh bien, retrouver toutes les choses nécessaires à broder. Donc là, nous sommes à l'étape 4. Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs... Voilà, il y a plusieurs... j'ai plusieurs... comment on va dire? Plusieurs aimants aiguilles sur ce projet. Voilà où on en est actuellement. Donc, c'est une toile en lin. J'ai du mal, moi, le lin, j'ai du mal. Je trouve qu'il y a plein d'erreurs dans mon projet. Il y a plein d'erreurs. Voilà, il y a plein d'erreurs. J'ai recommencé plusieurs fois. J'ai dit, je laisse tomber, je laisse comme ça. Ça sera très bien comme ça. Mais il y a plein d'erreurs. Donc, on va avoir des choses à rajouter ici. On a un petit nœud en ruban. Donc, on avait eu un aimant aiguille avec un ange. Donc, il nous reste cette partie-là à broder et cette partie-là. Ouais. Donc là, celui-ci là, qui il vient de chez Aimant F et de Fée. Voilà. Mais c'est une merveille. Franchement, c'est super joli. Donc c'est sur le thème, eh bien voilà, de l'hiver. Hein. On a des petits oiseaux d'hiver, du branchage. C'est très fin. C'est du un petit fil parfait. Voilà. C'est très fin et comme on dit, ça se mange sans fin. C'est très agréable à broder. Alors, moi, je leur broderai pas. Si j'ai un jour, je leur broderai, je leur broderai pas sur ce type de toile. Comme je vous dis, le lin, j'ai un petit peu de mal. Je trouve que c'est moins régulier que l'étamine. On va pas le. Mais voilà. Maintenant, je pense qu'elle sera. Vous l'aurez, je pense, en projet terminé dans le prochain Faustube, puisqu'il reste plus qu'une étape. Que je vais faire ça, je pense, au mois de février. Ensuite, qu'est-ce que j'ai intégré? Y avait le petit kit thé, mais du coup, que je vous ai déjà fait voir dans le projet terminé. En projet terminé. Ensuite, j'ai intégré un nouveau Harry Potter pour mon bureau. Où il y a ma baie vitrée. En fait, vous le verrez dans le bureau tour. Bientôt aussi. Et quand voilà, je pense que je vais bientôt vous le filmer parce que là, après il reste que de la déco, mais vous verrez au fur et à mesure. Et j'ai réintégré en fait un nouveau projet. Donc j'ai mis ça sur les porte-étiquettes comme ça que fait ma vie normale. Et du coup, Angélique, je cherche mes mots, je suis vraiment désolée. Angélique de ma vie normale, et du coup j'en ai pas mal, et franchement pour avec des étiquettes ça permet d'organiser vos fils et c'est vraiment top parce que sur ce projet là il y a beaucoup de couleurs. Donc c'est un projet que je voulais dans la même forme pour pouvoir le mettre sous tambour et bien côté où j'en ai déjà un. Alors je vais regarder si j'ai le motif fini. Donc je l'ai eu sur My Bobbin, il était à 22,29$. Donc c'est celui-ci, voilà. Avec au milieu le château, la baguette, le vif d'or, le patronum. Enfin voilà. Et dans les tons bleus, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui soit dans les mêmes tons que la silhouette Harry Potter. Quand je vous dis de mon côté, ça sera que de la déco Harry Potter. Et j'ai pas mal avancé quand même pour ce projet. Je le brode sur une Aïda 7. Blanche, hein, toute simple. Et... voilà où j'en suis. Bon, déjà bien avancé le centre, vous voyez. Vraiment bien avancé le centre. Là, c'est un petit aimant qui vient de chez Attrape-chat, Attrape-moi-chat, Audrey, sur Facebook. Je vous mettrai le lien. Donc, j'ai bien avancé quand même. J'ai bien avancé. Donc, j'ai hâte. Ça se brode très bien. Alors, ça, c'est pareil. Brodeuse confirmée. Mode débutante, on oublie. On oublie parce que c'est que du bleu. Donc, si on se plante, voilà.
Donc voilà. Débutante, je suis un peu sceptique pour les débutantes. Mais ben voilà, je vous montrerai au fur et à mesure des avancées. Mais je suis ravie du rendu déjà que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup déjà le rendu. Alors ma toile, c'est une Aïda 8, non 7. Elle est un peu raide, donc pas facile à mettre sur le tambour. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ensuite, nouveau projet sur le thème de Pâques. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des grilles. Je ne sais pas si je vous les avais montrées, ces grilles-là. J'ai acheté trois grilles je pense que ça fait partie de mes achats, donc je vous les montre là. J'ai acheté trois grilles de chez Crochet à Gogo sur le thème de Pâques. Voilà. C'est le Tris 10 Pasqua. Voilà. Donc vous avez trois grilles à l'intérieur et j'avais reçu, quand j'ai fait ma commande de mère en fille, il y avait une promotion avec trois toiles achetées, une offerte, enfin une chose comme ça. Et du coup dedans, j'ai pris quasiment que de l'étamine en toile. Et du coup dedans, il y avait en cadeau eh bien cette petite étamine à pois. Et je me suis dit, pour les projets de Pâques, elle va être superbe. Donc du coup, ben voilà, je l'ai prise pour les projets de Pâques. Et je vais broder ces trois projets dessus. Donc voilà ce que ça donne. C'est des petits poussins dans un panier. Donc c'est très Pâques, hein, mais c'est trop mignon. Alors moi, je rajouterai peut-être un petit peu de point arrière pour une fois que ça sera terminé, à voir. Mais j'aime beaucoup le petit aimant qui vient ici de chez Poussière d'Étoiles. Alors je ne sais pas si vous pouvez les retrouver. Hein, comme je vous l'ai dit, les aimants maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y en a eu pas mal en promo, donc je ne sais pas s'il en reste pendant les soldes, mais c'est des couleurs très très pastel, donc très jolies. Donc ça, il va finir sûrement en petit œuf comme présenté sur du carton avec un nœud pour mettre ici dans mon tailleur thread. Vous voyez, j'avais un tailleur thread ici en déco sur le thème de Pâques. Voilà, plein de déco de Pâques. J'ai déjà acheté des petits œufs chez Action. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment faire ce coin ici un peu thématique. Alors vous le verrez peut-être un petit peu mieux quand je filmerai d'un peu plus près. Mais comme c'est un peu le bazar tout autour, l'atelier n'est pas encore rangé. J'ai beaucoup de choses qui étaient dans le dressing, enfin qui étaient dans la chambre d'amis qui sont ici. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, chaque chose en son temps. Mais voilà, j'essaye de trouver un cadre pour filmer. Et là, c'est en lumière naturelle. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que le prochain Flosstube, vous aurez des faces bureau. Je vous montrerai en fait de loin où j'en suis et vous aurez la face bureau en même temps que je parle. Voilà, je trouve que ce sera plus facile de vous montrer. Vous verrez beaucoup mieux les broderies. Voilà, mais en attendant, un régal à broder sur cette étamine. Franchement, c'est une 12.6 fils. C'est un régal, un régal, un régal, un régal. Elle est là d'ailleurs, voilà. C'est celle-ci, c'est la 7309 en Murano. Très sympatoche. Et le dernier petit projet que j'ai lancé, eh bien, c'est le sale que j'ai acheté sur Etsy de Quaternion. Il me semble que c'était ça. C'est le sale The Wandered. Et du coup, j'ai brodé tout le cadre. Je vous l'ai montré dans un vlog, il me semble. Donc là, j'ai brodé tout le cadre. Donc là, je brode sur une toile Aïda 7, mais c'est de la Zweigart. Et alors, elle est d'une souplesse par rapport aux autres Aïda 7. Franchement, achetez du Zweigart, vous ne serez jamais déçus. Donc j'ai brodé tout le cadre comme ceci. Et là, on va venir broder dans chaque... Donc là, on a un aimant à aiguille Poussière d'Étoile que je vous avais présenté dans les nouveautés. Et on va venir broder en fait dans chaque partie ici en haut des petites bouteilles. Des genres des bouteilles d'amphore avec eh bien, les villes à l'intérieur. On a Sydney, on a Venise. Enfin, voilà, et ça permet de voyager. C'est du black work mélangé avec du point de croix. Parce que là, vous voyez dans le haut, là, on a des croix et du black work. Et je n'avais pas encore testé cette technique de mélanger des croix et du black work. Et j'ai trouvé ça très bien. J'ai vu ce projet-là, il a vraiment bien avancé sur la chaîne de Camille. Je crois que c'est Broderie et compagnie, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai de toute façon le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle a bien avancé, donc c'est elle qui m'a donné envie de broder ce projet. Donc bah, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et c'est elle qui m'a donné envie de broder ce projet là. Et bah, maintenant que le sale est en fait est terminé, vous avez toutes les parties. Si vous voulez acheter toutes les parties, vous pouvez acheter toutes les parties en même temps.
Et tous les 15 du mois, je crois, on avait une partie. Donc, bah, écoutez, moi, je suis ravie de ce sale et hâte de faire la suite. Donc, pour la chaîne YouTube, une des chaînes YouTube que je regarde, donc, ça va être... donc là, c'est pas forcément sur la broderie, c'est plus sur le tissu et choses comme ça. C'est la chaîne de Rosaline et Suzanne. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissent. C'est une chaîne où il y a des vlogs. C'est mélangé avec son travail de... elle a une boutique où elle vend du tissu, des choses pour l'art du fil, enfin, choses comme ça. Et j'aime beaucoup... elle fait aussi des vlogs avec des images de nature, choses comme ça. C'est assez apaisant. En général, je mets ces vidéos quand je brode. Donc, Rosaline et Suzanne, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et pour la partie achat, alors ce mois-ci, j'ai acheté... Je vous mets les petites photos. J'ai acheté la fiche de Noël In City de Crochette à Gogo. Donc, dans le même système que les autres. Il y a également toutes les nouveautés poussière d'étoiles. Je vous mettrai la petite vidéo ici des nouveautés précédentes. Et il y a des nouveautés qui vont arriver. J'ai pris des gris également sur Etsy. Alors, j'ai pris des gris sur Etsy. Comme je vous l'ai dit, j'ai une jolie enveloppe de la part de ma belle-maman à Noël. Donc, je me fais plaisir. Et il y avait des promos... pas mal de petites promos là ce mois-ci. Donc j'ai pris à moins 30%, donc à 9,66€, ce joli petit... comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un raton laveur, c'est un nid de marmotte. Enfin bref, vous m'aurez compris. J'ai énormément à trouver mes mots. J'ai pris ce petit mignon, petite chose, voilà, de la créatrice Slivana Shishkar. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai déjà tous les autres qu'il faut que je brode. J'adore les animaux avec les pulls comme ça, je les trouve trop kiki. Voilà, trop sympa et je les trouve trop mignons. Voilà, je les trouve trop mignons. Les gris sont hyper clairs en couleur, enfin c'est du bonheur à broder. Il y a beaucoup beaucoup de points arrière par contre, si vous n'aimez pas le point arrière, passez votre chemin. Donc j'ai pris cette gris là. Ensuite de chez Alexandra Zamorina, j'ai pris... cette jolie petite fille avec son petit ourson. Elle est trop mignonne. J'ai pris cette petite fille avec ce petit ourson. Trop mignonne. Trop mimi, trop mimi. Je l'ai payé 6,05€. Donc franchement, voilà. Pas cher du tout. Ensuite, de chez All Stitching House, c'est pareil. Il y avait des promos à moins 50%. Donc j'ai foncé. Là, c'est un... oui, un Quaker, je pense. Enfin, un sampler. De Halloween. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop la déco Halloween, mais pour la broderie je trouve ça très sympa. Et j'ai des fils teintés main qui vont aller à merveille dans cette grille là. Les grilles sont hyper claires, vous voyez, en couleur. Moi j'adore quand les grilles sont en couleur, ça permet de vraiment se repérer. Donc toujours dans la même donc je pense que je vais la mettre en route pour Pâques là après, pour le mois de février. J'ai pris pareil un sampler sur le thème de Pâques, pareil à moins 50%, donc 3€. Donc ce créateur en fait, c'est la même chose que j'avais fait mon calendrier d'ailleurs, qui est stocké ici, que vous avez vu à Noël, mon calendrier de l'an passé. Et donc je pense que c'est le dernier projet que j'ai pris. Oui, c'est le dernier projet que j'ai pris. Donc voilà les gris que j'ai pris sur Etsy. Et j'ai fait une petite commande donc de chez Deux Mères en Fille que je vous disais tout à l'heure. Alors, attendez pas. Donc notamment pour des toiles. J'ai pris de chez Little House Needlework. En fait, c'est une série. Donc à chaque fois que je vais commander chez Deux Mères en Fille, je vais me prendre une petite série qui fait très ferme house. Donc vous voyez, c'est ça. Il y avait des promos, donc c'était pour les soldes. Celui-ci, je l'ai eu à 7,70€ de chez Tralala. Donc c'est un trio de broderie, faire des petits coussins qui vont aller ici dans mon atelier. Voilà, donc il était en promo de chez Tralala. Comme vous le savez ou pas, je vous avais dit que je voulais faire la série de chez Cottage Garden avec les maisons. Donc ben, j'ai reçu la maison numéro 2. Donc j'ai vu que la maison numéro 3 était disponible, mais pas encore sur Deux Mères en Fille. Donc ça c'est pareil, ça va être un projet à commencer.
Et j'ai pris chez Crochette à Gogo, eh bien, les calendriers. C'est des petits. Je vous les partageais sur Instagram. C'est des petits calendriers comme ceci de chaque mois. Et j'ai trouvé ça très sympa. C'était à 11 euros ceux-là, je crois. Il me semble, attendez voir. 11 euros pièce. 11 euros pièce, voilà, c'est ça. Donc voilà pour ma commande de mère en fille. Et j'ai pris aussi un projet qui va être que j'ai vu, je crois, sur la chaîne de Camille aussi, qui l'a commencé. Non, mais j'ai dit, c'est trop bien, il faut que je veux faire la même chose. Il est magnifique. Donc, c'est chez Jardin Privé. Pour Noël, il faut. Donc, on mélange en fait de la broderie et des boutons. Vous voyez? De la broderie et des boutons. Donc, je l'ai payé 23,50 € sans les boutons. Hein. Et vous avez tous les boutons. Moi, je pense que je les laisserai peut-être naturels. Et vous avez tous les boutons qui vont avec. Donc, il y a plusieurs tailles par rapport à la toile que vous brodez. Et elle l'a brodée en blanc sur une toile Murano rouge, enfin un peu cerise rouge, et magnifique. Donc ça pour Noël prochain, voilà. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Camille, et eh bien écoutez, je vous la mets en barre d'infos. Voilà, elle y partage de très jolies choses également de ses créations. Donc voilà un petit peu pour ce Flosstube avec mes en cours, mes achats, mes nouveaux projets, les projets terminés, des grilles gratuites, une chaîne YouTube que je regarde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas été trop ramollo dans cette vidéo parce que quand je vous dis c'est pas la grande forme, je vous en parlerai plus dans le vlog de mercredi. En espérant que je puisse, comme là aujourd'hui, ça, j'ai eu une petite accalmie ce matin, j'ai pas eu de crise en fait, donc je me suis dit, t'as pas de crise, tu fonces, tu vlogs, enfin tu fonces, tu tournes, et parce que voilà, les jours où j'ai une crise, je peux pas faire grand chose. Voilà, donc enfin bref, je vous expliquerai ça dans le vlog de mercredi si je peux tourner, et je vous fais plein de bisous, je vous mets tous les liens des articles que je vous ai présentés en barre d'infos, je vous fais plein de bisous, voilà, je vous souhaite encore un bon temps de loisirs créatifs. Je vous mets en barre d'information, enfin, je vous mets à la fin de la vidéo le nom de la gagnante, sinon elle sera en barre d'information, du lot créatif du mois du Flosstube précédent. Et le concours est ouvert partout où il y a Mondial Relais. Les conditions, être abonné à ma chaîne, liker, partager, commenter, avec un petit emoji en rapport avec l'art du fil. Bobine, fil, aiguille, enfin ce que vous voulez. Et je procéderai au tirage au sort pour le prochain Flosstube. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je glisse comme ça des petites choses. Eh bien, à chaque fois je reçois des choses, que j'achète des choses, hop, je vous glisse ça dans le sac loisirs créatifs. Donc on peut y retrouver plein de choses du point de croix, de la broderie traditionnelle, des accessoires, du diamond painting, de la papeterie. Enfin voilà, tout ce que moi j'aime en loisirs créatifs. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, notamment mercredi, et bien pour un nouveau vlog normalement. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour rien louper. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we